quand le général Juin, presque à son arrivée au Maroc en qualité de résident général de France, eut à inaugurer la foire exposition de Casablanca, il trouva là à la fois le résumé d'une réussite en même temps que les promesses d'un lumineux avenir. Toute jeune, la foire de Casa, puisqu'elle ne s'ouvrait que pour la cinquième fois, présentait surtout le mérite d'être comme le microcosme des possibilités et des certitudes d'un pays neuf, récemment éclos aux activités modernes, mais déjà marqué par les faits pour les plus brillantes réussites. Avant tout, son cadre, Casablanca, déterminait la première des réalités marocaines. Cette ville, qui comptait en 1917 92 000 habitants, en dénombrait 260 000 en 39 et s'est grossi cette année jusqu'à 520 000. Son port, dont les installations s'améliorent chaque jour et qui, doté de 4000 mètres carrés de quais en eau profonde, d'un dock flottant de 5500 tonnes et de 33 grues électriques, a dépassé son trafic d'avant-guerre, le faisant passer de 210 000 tonnes par mois en 39 à 300 000 aujourd'hui. À ce port, fenêtre grande ouverte sur le monde, doit correspondre un réseau ferroviaire capable d'assurer du port à tous les points essentiels et de ces points au port, des échanges qui croissent chaque jour. La guerre, qui avait imposé au chemin de fer une tâche énorme, les avait laissés dans un grand état de fatigue. Mais les pertes de la guerre devaient être vite comblées et le rail acquérir de nouvelles forces. Car si la voie ferrée ne couvrait en 1923 que 235 km, elle courait en 32 sur 1131 km et s'étend aujourd'hui sur 1808. Si en 39 le nombre des locomotives de toutes sortes ne dépassait pas 142, il s'est accru aujourd'hui jusqu'à 157, le nombre des wagons passant de 4085 à 4440. Et le tonnage transporté d'un peu plus de 3 millions de tonnes en 39 atteint cette année plus du double. Moyens d'échange, moyens de transport, ports, routes, voies ferrées sont un ensemble qui doit permettre au Maroc de tirer le meilleur parti de ses possibilités. Au premier rang de ses possibilités, comptons le charbon qui, à Djerada, affleure le sol et continue en terre marocaine le gisement algérien de Kenadza. Découvert en 1907, ce gisement qui s'exploite par taille chassante permettait d'extraire en 1939 11 000 tonnes par mois, production qui est montée cette année à 25 000 tonnes. L'écoulement de cette production, à l'heure actuelle assurée par les chemins de fer marocains, prendra demain une forme particulière. Sur le carreau de la mine même, doit s'établir une centrale thermique d'une puissance de 50 000 kW qui brûlera les poussières d'anthracite extraites du sous-sol. Par ailleurs, de nouveaux sondages auraient révélé des veines de charbon gras qui, prenant naissance près de Colombéchard, se prolongerait sur une distance de 100 km sous les sables de la Hamada pour venir affleurer les contreforts de l'Atlas dans la vallée de l'Oued Diz. Au nombre de ses ressources naturelles, le Maroc peut compter en même temps que le charbon, le pétrole. D'importants travaux de sondage actuellement en cours ont été couronnés de succès. Leurs résultats permettent de grands espoirs. Et si le Maroc, à l'heure actuelle, ne possède pas l'outillage qui lui permettrait de traiter la production pétrolière qui pourrait être la sienne, nul doute que dans un délai assez rapproché, il ne prenne les mesures utiles pour entreprendre l'exploitation intensive de ces gisements. Le pétrole, comme le charbon, est une réalité marocaine. Il faut naturellement parler des phosphates dans ce chapitre consacré aux ressources minérales du pays. Les phosphates, comme chacun le sait, sont à l'heure actuelle et depuis 25 ans, l'une des richesses les plus enviées de l'Empire chérifien. Dans les centres qui portent les noms de Kouriga et Louis Gentil, de véritables cités industrielles sont nées pour le traitement scientifique des phosphates naturels. Richesse considérable et dont le revenu ajoute chaque année à l'essor industriel du Maroc, puisque la majeure partie des ressources nées de l'exploitation phosphatière concourt à l'amélioration de l'équipement marocain. Et qu'on songe à l'importance de cette industrie, puisqu'elle arrive à traiter mensuellement 250 000 tonnes.
Ces réalités naturelles ne doivent pas faire oublier d'autres réalités qui leur sont comparables sur d'autres plans. Le problème de l'habitat, qui revêt ici une importance cruciale par suite de l'accroissement champignonnesque de la population, 25% en 10 ans, a reçu des solutions effectives. En même temps que la population autochtone passait entre 36 et 47 de 6 millions à 8 millions, en même temps que la population européenne montait de 200 à 350 000, aujourd'hui également que se fait sentir un déplacement des populations rurales vers les villes, un plan de construction a été dressé et suivi qui élève chaque jour de nouvelles maisons et voit chaque soir naître de nouveaux toits. Mais ici, comme dans toute l'Afrique du Nord, le grand problème est celui de l'eau, qui gouverne tout et régit la misère comme la prospérité. L'eau, porteuse de joie, qui, même en plein désert, donne naissance aux oasis, ouvre la route à la végétation, abreuve et nourrit les troupeaux, fixe les populations. L'eau qui donne la force à l'industrie, la santé et la richesse aux agriculteurs. Ce problème que la situation hydrographique du Maroc rend particulièrement délicat est maintenant en passe d'être résolu grâce à la construction de barrages tels celui d'Imfout qui doivent en 30 ans permettre d'utiliser toutes les eaux du massif de l'Atlas. Grâce à cette mise en place d'un dispositif considérable, on peut donc penser que, en même temps et au même rythme que l'accroissement industriel qui en résultera, l'agriculture marocaine trouvera de nouvelles expansions. De nouveaux domaines vont s'ouvrir. Coton, dont les premières plantations ont fait naître un grand espoir, et qui, presque inconnu voici 10 ans, couvre aujourd'hui 2500 hectares. Céréales de toutes sortes, dont le rendement variait hier de 1 à 10 selon l'importance des chutes de pluie. L'eau circulant régulièrement a permis de sauver et de rendre à une vie normale la tribu des Beni Amir, forte de 60 000 âmes. C'est l'un des exemples qui permettent d'augurer pour le paysanat marocain une ère d'expansion aussi bien dans les cultures maraîchères que dans les cultures de taille et de moyens industriels. La terre marocaine, qui conserve aujourd'hui encore près de 50% de surfaces improductives, verra demain réduire de jour en jour ses steppes et ses landes. Des oasis heureuses y naîtront, où se décupleront les palmeraies déjà triplées en 10 ans, où prospéreront les troupeaux, presque entièrement reconstitués, après avoir été diminués de moitié par la sécheresse de 1945. Cette promesse que tiendra l'avenir, le présent déjà nous l'apporte. Aux réalités d'aujourd'hui correspondront demain d'autres réalités plus amples. Le Maroc n'est pas seulement, comme on le disait hier, une terre de promesses. Le Maroc d'aujourd'hui ne dénombre plus seulement ses espérances, il compte ses réalités.